Eh, hey, coucou tout le monde. Eh bien, l'équipe de 24 pour tous, tous pour un est bien arrivée à Charenton-le-Pont. On vous attend très nombreux à partir de demain soir pour le vernissage qui aura lieu à 18h30. Donc notez bien, vernissage à 18h30 sur Charenton-le-Pont. Plein d'artistes exposent dans cette galerie Art et Liberté, 3 places des Marseillais sur Charenton. Vous retrouverez également plusieurs de nos champions qui viendront nous voir et nous soutenir lors de ce vernissage. Donc, si vous devez bloquer une date, c'est demain. Et je vous fais faire un petit tour rapidement de cette exposition. Et on commence par notre mini musée olympique. N'hésitez pas à faire un petit tour virtuel de ce musée. Donc, nous avons mis quelques tenues que nous possédons avec l'association. Vous retrouverez également nos valeurs sur les kakémonos. Vous retrouverez dans les vitrines les objets que nous avons pu collecter au fur et à mesure de nos rencontres, de nos actions. Et tout ceci représentera également les valeurs de l'olympisme qui nous tiennent tant à cœur. Petite visite guidée de ce lieu, voilà, réservé à 24 pour tous ce soir. Et on pourra retrouver donc cette galerie pour pouvoir vous rendre ici. N'hésitez pas à prendre les transports en commun et vous arrêter au métro Liberté qui se trouve juste au-dessus. Et nous sommes au niveau de la galerie commerciale. D'accord ? Je vous fais un petit tour également des autres artistes qui se trouveront avec nous dès demain. Donc vous retrouverez la collection de Jean-Denis Walter. Collection assez magique pour les, je dirais, les fans de sport. Donc aussi bien des photos sur l'athlétisme, sur la boxe, sur le foot derrière moi, sur le rugby, sur la perche. Voilà. Des, je dirais, photos qui ont marqué de près ou de loin l'histoire du sport. Et dans la pièce d'à côté, nous retrouverons les photos de Lucie, notre artiste peintre, avec laquelle on a l'habitude de poser et d'exposer surtout. Voilà, un petit mélange de nos tenues que l'on a également pu mettre à disposition sur d'autres lieux de la galerie. Voilà, les photos, enfin, pardon, les toiles de Lucie et d'autres artistes qui viendront compléter le reste de l'espace avec également des sculptures sur la box. Et au fond, vous voyez un endroit vide, nous aurons la chance de voir une sculpture géante de Mike Tyson et peut-être le rencontrer pour de vrai demain. Mais ça reste une surprise. Allez, moi, en attendant, je vous laisse, ça fait plusieurs heures qu'on travaille dessus. On va aller se reposer, on vous retrouve demain à 18h30, métro Liberté sur Charenton-le-Pont. 3 places des Marseillais pour venir à la rencontre de 24 pour tous, tous pour un et de tous ces artistes présents ici. Un grand merci à Frédéric Mette, le conservateur. Et moi, je vous retrouve demain. Salut.